Ravie de vous retrouver dans cette oasis de Siwa. Ici, les choses sont très particulières. Non seulement on entend d'elle qu'il y a de très bons safaris, de très belles habitations, mais également une histoire derrière tout ça. Ici, au musée de Siwa, on va justement découvrir son histoire. On va essayer de voir justement les traditions qui commencent à se perdre, étant donné qu'il y a une modernité qui s'installe dans cette oasis. Mais ici, dans ce musée, on essaye un petit peu d'expliquer son histoire et de refaire vivre justement ces traditions qui sont parfois perdues avec le temps. Regardons tout de suite ce musée et découvrons-le. Installé dans une maison traditionnelle de Siwa, le musée expose un ensemble d'objets qui vous fera découvrir une facette de la culture Siwi. On y trouve tous les objets traditionnels, culinaires, domestiques, décoratifs, qui font de cette oasis un endroit bien à part dans le paysage égyptien. متحف البيت السيوي هو نموذج للبيوت السيوية لما الناس نزلت من قلعة شالي اختارت النمط ده من البيوت ان هي بنت البيوت بتاعتها بمادة الكرشيف اللي هي عبارة عن بلورات الملح مع الطين مع استخدام جذوع النخيل او بعض دعامات من شجر الزيتون في عمل الاسقف بتاعت البيوت وده انسب نمط معماري يتناسب مع طبيعة سيوة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف وانخفاضها الشديد في فترة الشتاء خاصة في ديسمبر ويناير. Fait de kerchef, un mélange de rochers et de blocs de sel, El Bet El Siwi est le seul musée de Siwa. Organisé par la communauté locale pour partager sa culture, cet écomusée est inspiré par un diplomate canadien inquiet de voir disparaître un jour la culture Siwi et ses maisons. Justement, à Siwa, la plupart des maisons ont deux étages avec une terrasse sur le toit, comme celui-ci. La salle qui nous a frappé est celle appelée d'hiver. C'est généralement une petite pièce au rez-de-chaussée avec de petites fenêtres. Et au cours des froides soirées d'hiver, toute la famille se retrouve autour d'une assiette de charbon et de bois d'olivier pour faire un feu et se réchauffer. المطبخ في البيت السيوي بسيط جدا هو في الفرن اللي ما زال كل بيت في سيوة موجود فيه الفرن السيوي كل الناس بتخبز جوه البيوت هنا مختلف شوية عن الدلتا وعن الصعيد ان هنا في الفرن له فتحة جانبية بيتحط منها الخشب والفتحة اللي قدام دي بيبقى واحدة مسؤولة عن عملية الخبيز في نفس الوقت الفتحات اللي فوق دي بيوصلها لهيب النار فبالتالي ممكن يتسخن الأكل أو يتعمل الأكل في نفس الوقت اللي الناس بتخبز فيه هنا عندي الكانون اللي هو بيتعمل فيه زمان الأكل وعندي الرحاية أو المطحنة سواء من الحجر أو من الحديد لها أنماط وأشكال مختلفة Une culture riche qui possède ses caractéristiques. On y retrouve des objets pour enfants, comme cette poupée et cette bouée qui sont faits à la main avec des matières locales. Des bijoux traditionnels, mais aussi les tenues des hommes et des femmes à travers leurs différents âges. Un musée qui vaut donc le détour pour comprendre la vie quotidienne des Siwi. Les seuls berbères d'Égypte. Noha Ale pour Nile TV.
زي ما عودناكم في الفترة اللي فاتت ان احنا كل يوم جمعة بنحب نعمل حاجة جديدة غير بقية ايام الاسبوع، وقررنا ان احنا بما اننا بنحب الغنى بالذات الطرب القديم الاصيل Bonjour, vous êtes le bienvenu. Comment vous savez que vous êtes un chanteur? J'avais commencé mon talent dès que j'avais 7 ans. Je commence à adopter, à suivre le chemin du chant quand j'avais 13 ans. J'avais fait un programme en 2013, ça s'appelle le début du chemin. Qu'est-ce que ça veut dire un programme ou une émission, c'est-à-dire une concurrence, une compétition? On veut savoir votre voix. On va écouter une chanson pour Hani Shaker, les plus bonnes. لما بكون سهرا لوحدي برجع لأحلى الذكريات وكأني مش عايش لوحدي وعايش معاك كل اللي فات حاسس بروحك جنب مني اسمك في كل الأغنيات ولا ثانية واحدة بعدت عني ولسه في بينا حكايات أنا كل معاك وبعيش بهواك في كل ليلة عيوني شايفاك وإيديا هلمساك أنا عمري يوم ما أقدر أنساك على طول وياك في كل وقت أنا فاكرك في يا حبيب أنا ليك مشتاق بناديك كل اللي فيا بيحلم بيك وبحبك وشريك خلاص هموت من اللهفة عليك أنا راجع لعينيك عذبت روحي وسبتك ليه 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 بون تري بو اللي فهمته ان ce que j'avais compris que vous n'êtes pas un étudiant ou vous n'étudiez pas la musique. Comment vous pratiquez la musique? Est-ce que vous assistez dans des célébrations? Comment vous entrez dans le domaine? J'avais fait beaucoup de célébrations dans les universités, des mariages et également les châteaux ou les palais de la culture. J'essaie à collecter mon talent tant que je peux. Quand vous étiez petit, quand vous avez le talent du chant, est-ce qu'à l'école, ils vous encouragent ou à la maison? Non, à la maison, ils m'encouragent, à la maison, mes amis, et à l'école également, mes amis à l'école, ils veulent que je chante pour tout le temps. Dans les célébrations de l'école, je savais que mon voix est beau et j'avais un talent dans ce temps-ci. J'essaie à parcourir dans le domaine du chant et j'ai participé dans l'émission du le début du chemin. Et il y avait combien de concurrents qui avaient vous avez triomphé contre qui? C'était un programme, chaque édition, il invite deux chanteurs. Dans la première édition, j'avais triomphé avec le vote des peuples. Et dans la deuxième édition également, j'avais réussi avec le pourcentage de vote. Il y avait 20 concurrents. On va écouter une autre chanson par l'harmonie de Mohamed Abdelwahab. قالوا لي هاني الود عليك ونسيك وفات قلبك وحداني رديت وقلت بتشمتوا ليه هو افتكرني عشان ينساني هو افتكرني عشان ينساني
هو افتكرني عشان ينساني، هو افتكرني عشان ينساني. قالولي قالولي Bon, très beau. Quand vous aimez à écouter pour faire développer votre voix, quelles sont les voix féminines et masculines que vous aimez l'écouter? Jama Abdelhalim, c'est mon exemple. Et dans, parmi les voix féminines, il y avait Warda également, Mayed Al-Hanawi. Il y avait beaucoup de voix féminines qui m'intéressent. Vous avez choisi deux qui chantaient, Warda et Mayed, les plus difficiles voix. Est-ce que vous savez chanter leurs chansons ou c'est difficile à vous? Ce que j'aime ou ce que je préfère à chanter pour lui, ces chansons, c'est Abdel Halim. Mayed et Warda, j'aime écouter leurs chansons seulement. Est-ce que vous avez des chansons spéciales pour vous, Monsieur Amr? Non, je n'avais pas de chansons spéciales. Bon, et vous répétez que votre idéal, c'est Abdel Halim Hafez, donc nous voulons écouter Abdel Halim Hafez. Mais une nouvelle paragraphe, une nouvelle partie, d'accord, on veut admirer votre voix. لا يبان عليا ويشوف حبيبي دموع عيني، يا قلبي خبي لا يبان عليا ويشوف حبيبي دموع عيني. خليه بعيد، خليه سعيد، خليه بعيد، خليه سعيد. ده مش نصيبي لكن حبيبي، ده مش نصيبي لكن حبيبي. واكتر واكتر شواي يا قلبي. Est-ce que vous pensez à faire des études, à étudier par exemple un instrument musical? Non, je veux entrer dans le domaine, effectivement. D'abord, qu'est-ce que vous faites? Comment vous dessinez votre futur? J'avais dessiné mon futur à entrer dans le domaine. Par exemple, dans une compétition, je veux être bien reconnu. Après, je vais étudier. Je ne veux pas étudier au début. Et est-ce que vous pensez que les études vous aident à être plus reconnu, à être fameux et à présenter vous-même pour comme un étudiant à part les études? Non, les études, c'est quelque chose de principal et essentiel. Je vais étudier en tout cas. Je chante comme un talent, mais vous étudiez quoi? Qu'est-ce que vous étudiez? J'avais un diplôme du commerce, quelque chose qui n'avait pas relation avec l'art. Est-ce que vous préférez à jouer ou à faire dans un instrument musical? On va faire de la musique sur le violon et je étudiais à El Mahal et je chantais à El Mahal également. Je fais des célébrations à l'étranger et avec une équipe musicale dans tout endroit en Égypte. Est-ce que vous avez une équipe spéciale? Non, je n'avais pas une équipe spéciale. Non, pas comme les chanteurs qui composaient une équipe et ils se connectaient dans un certain temps. Vous devenez plus un peu fameux au niveau de El Mahal et la diffusion. Comment ça va
être, comment vous le dessinez, la diffusion, cela va être à travers les compétitions qui paraîtront les chanteurs comme il faut, parce qu'il y avait un grand nombre qui participaient, comme The Voice, par exemple, X Factor, ces grandes émissions. Est-ce que vous ne remarquez pas que ces gens qui participaient dans ces compétitions, ils étudiaient, ils doivent étudier vocalisation, par exemple, dans un institut musical, dans une faculté, il n'allait pas seulement avec, sans afficher la préparation. Non, nous avons une expérience à assister dans des célébrations et dans des palais de culture. Ils commencent à entrer dans le domaine, c'est plus facile à eux. Ils les entraînent. Ce n'est pas tout. Ceux qui entrent dans des compétitions, ils se sont entraînés comme il faut. Est-ce que vous essayez à contacter avec des grands artistes, par exemple, des grands musiciens pour étaler votre voix? Maintenant, les producteurs ou les musiciens sont peu actuellement. Et même les compagnies de la production sont peu, ne sont pas comme auparavant, parce que le domaine, il y avait un peu nombre qui chantaient, ils sont comptés sur le doigt de main, mais actuellement, il y avait des jeunes essayaient à étaler leur talent à travers l'Internet, à travers le YouTube, le Facebook, etc. Est-ce que vous pensez à faire quelque chose comme cela? Oui, bien sûr, hein, dans des pages sont bien reconnues sur le Facebook. Et j'avais également présenté des vidéos sur des pages des chanteurs bien reconnus comme Karim Mohsen. Et j'essaie tant que je peux à faire présenter mes chansons à travers de divers moyens. Est-ce qu'il y avait encouragement par des musiciens reconnus? Karim Mohsen avait présenté son vidéo sur son rajet spécial. Et j'essaie tant que je peux à faire présenter mes chansons sur des pages reconnues. On peut écouter quelque chose, s'il vous plaît? On va écouter quelque chose pour Amr Diab. مش فارقة نتكلم نعيد ونزيد في ايه على ايه ما عادش فيك بكا عليه خلاص الجرح هو معلم ويا ريت لا نتألم ولا نقاسي وداع بوداع ما حدش ساب حبيبه ضاع ودينا خلاص بنتعلم لو قادر بص في عيني وقول لي عملت لك ايه مش فاكر مرة خلفت بوعد وعدتك بيه والله ما شفتش مني غير الحنية عليك علمتك معنى الحب وأجمل شو غرام ومعلمتكش الأسود مش محتاج علام أصل انت أكيد من الأول كده والأسود فيه Bon, bravo, Monsieur Amr. Vous dites que vos activités étaient pour tout le temps dans des mariages, dans des célébrations. La plupart du peuple sont des jeunes. Est-ce que vous aimez les anciennes chansons? Est-ce que vous chantez les anciennes chansons pour le peuple ou les nouveaux? Non, maintenant, par exemple, c'est une chanson pour Amr Diab. Je chante les deux genres pour les jeunes, les
anciens et les nouveaux. Et il réactive les anciens comme les nouveaux. Oui, il aime également les anciennes chansons plus que les nouveaux chansons. Comment vous voyez les jeunes? Oui, leur goût se dirige. On souffre les 10 dernières années que le goût général, notamment pour les jeunes, n'était pas comme les années 60, 70, 80. Est-ce que les jeunes retournent encore une autre fois? On ne veut pas dire que tous les jeunes n'aimaient pas les anciens, non. Ils écoutaient bien les anciennes chansons. Il y avait un part et une autre part, la moitié, par exemple, aimaient les festivals, etc. Et les jeunes ont un bon goût jusqu'à maintenant. Oui, il y avait un espoir jusqu'à maintenant. Et toute chose, il y avait ce goût et celui-ci à l'encontre. Il y avait des jeunes également. La majorité écoutait les anciennes chansons ou le patrimoine. Est-ce que vous ne pensez pas à faire le premier album, la première chanson? Non, je préfère et je pense à faire ou à rédiger une chanson spéciale pour moi-même. Et je fais de la musique également. Oui, il y avait des tentatives auparavant. Des harmonies et de la musique pour moi-même. Vous ne faites pas une chanson complète. Non, j'avais fait quelque chose pour mes mots. Karim Rafat. Non, ce n'est pas une chanson spéciale pour moi. Une musique, harmonie. Non, c'est un chant live ensemble. Et il avait écrit des mots. On veut l'écouter comme une dédicace pour Karim Rafat. D'accord. والكلام فعنيها تاي في آخر مرة قابلتها يومها كنت واقف عمال أبص لوشها ملامحها مش زي الملامح في أول مرة شفتها والكلام في عينيها تاي في آخر مرة قابلتها يومها كنت واقف عمال أبص لوشها ملامحها مش زي الملامح في أول مرة شفتها. Bon, c'est beau, exactement, c'est très beau. L'harmonie et l'expérience est formidable. On veut faire un certain harmonie ensemble, cela pour les musiciens. Est-ce qu'il y avait des amis ou quelqu'un que vous le reconnaissez? Il est un musicien pour débuter un début ensemble. Les musiciens, il y avait beaucoup de gens qui ont fait cette harmonie, mais le problème dans les chansons elles-mêmes, non, les mots peuvent se rédiger et la chanson avec une certaine harmonie. Problème dans la production, la distribution et le financement, etc. Oui, on peut avoir une expérience, mais le problème dans la production après, bon, comme une... Oui, la production est tout chanteur ou tout jeune maintenant. Le problème, c'est la production. Aujourd'hui, l'enfant Amr Gamel, qui avait 7 ans, il avait dévoilé qu'il chante ou qu'il savait chanter. Qu'est-ce que vous avez chanté quand vous avez 7 ans? C'est une question. Non, je veux développer la question. Qu'est-ce que vous avez chanté tant que vous étiez petit? Et comment vous développez vous-même tant à accéder à être le jeune Amr Gamel? J'aime tout ce qui est nouveau, oui, tout ce qui est moderne. Quand vous avez 7 ans, oui, dans cet âge, vous allez chanter maintenant la première chanson que vous commencez à la chanter, les premiers ou les débuts de vos chansons. Qu'est-ce que vous avez chanté et pour qui? Je ne rappelle pas parce que je chante toutes les chansons, toutes chansons que je l'écoute, je commence à l'imiter à la chanter. Je commence à chanter également des chansons modernes et au Palais de la Culture, ils chantaient tous les anciens et tous les classiques chansons. Et tout ce qui écoute anciens et classiques peut écouter et peut dire et chanter toutes choses. Il n'y avait pas que les personnages peuvent chanter les anciennes chansons. Qu'est-ce que vous aimez pour ce qui est nouveau, Temer Anchour également?
بعد اللي انت قلته عايزني اقولك ايه؟ فراق بفراق حبيبي وايه هندم عليه؟ بعد اللي انت قلته عايزني اقولك ايه؟ فراق بفراق حبيبي وايه هندم عليه؟ روح روح كفاية جروح يا روح ما بعدك روح، انتهينا خلاص ايه اللي هبكي عليه ولا هندم ليه؟ انتهينا خلاص. Bon, très beau. On se jouit beaucoup avec vous, Amr Gamel. Et on vous espère un futur prospère et formidable. Et on espère que vous commencez les études musicales. C'est une quelque chose de très importante dans votre métier. On va avoir le violon pour la prochaine fois. On vous remercie infiniment avec la fin de notre édition. On veut écouter une chanson avec la clôture de notre édition. C'est la fin de notre émission. On va vous laisser avec une petite chanson de Arm de Gamel et puis très bonne journée. Et avant de clôturer, on doit remercier Nahl Hajazi pour la traduction. انا حبيتك علشان كده كنت بنسيك جرح الماضي، جرح الماضي اللي مقسيك. كنت في جرحك دايما جنبك، كنت بتبكي وببكي معاك. واما ضحكت خلاص من قلبك مش محتاجني اكون وياك. بعد ما كل الماضي نسيته، بعد ما جرح زمان عديته، جاي تشكرني على اللي اديته؟ انا مش صاحب فضل عليك. بعد ما كل الماضي نسيته، بعد ما جرح زمان عديته، جاي تشكرني على اللي اديته؟ انا مش صاحب فضل عليك. أنا حبيتك